attention de la finale, pupille expert. Le showman vendéen, mesdames et messieurs, il vient du club de La Roche-sur-Yon, Elijah Saunier-Pottereau. Le club de Carquefou, numéro 56, Paolo Le Maçon. Il est sur sa piste, il connaît les moindres recoins par cœur. Le club de Valette, Kim Gutu. De nouveau le club de Carquefou. Dans cette finale des pupilles experts, il portera le numéro 41, Damien Bert. Les couleurs de Cholet, la plaque 59, Timmy Chartier. Également pour le club de Cholet, Théo Chartier. La plaque 84 derrière la grille de départ, le club de Champagné, Kylian Mérouche. Et finalement, couloir numéro 8, le club de La Roche-sur-Yon, Monsieur Simon Benetton. Ah, et ça y est, la grille vient de libérer cette finale des pupilles experts. Où au couloir numéro 1, pilote qui porte la couleur de Carquefou est sorti comme une bombe de la grille de départ. Paolo Le Maçon va-t-il sortir en tête du premier virage, Mathieu? Ah oui, 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 ce Vincent, c'est bien ce candidat qui va tenter de s'imposer. Et techniquement, il y a Elijah Saunier-Pottereau qui a tenté de passer. Mais intelligemment, le Choletais lui a bloqué la trajectoire. C'est Théo Chartier qui tient bien la deuxième position, Vincent. Théo Chartier va nous tenter quelque chose.